Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toutes dernières informations à travers le pays d'Haïti, dans l'autre bord de l'eau. Jeudi, nous c'est vendredi 5 avril 2024. Bienvenue dans la dernière édition Journal Créole, nous qui a présenté au passant mais Jerry Cheristal en collaboration avec VOA Créole. Actualité sous plan international, tremblement de terre avec une magnitude 4.8 frappé divers États. Non, non, des 100 pays, États-Unis, Tokou, New York, New Jersey et État Maryland. Actualité a toujours sous plan international, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu révoqué des membres qui sont importants dans l'armée pays en prenant lui-même l'été. Dans un bat bouche, ensemble avec l'administration président Joe Biden, après la mort, 7 travailleurs dans l'occasion charité. Toujours actualité, fois ça, c'est toujours dans le pays d'Haïti. Conseil présidentiel en transition, toujours dans l'impasse. Dans le moment, on a parlé là pour qu'on soit capable de jamais joindre une entente, pour qu'on soit capable vraiment joindre une entente politique, pour capable prêter serment et même arriver installé. Voilà, c'est tout point ça yo à diverses lots. Nous va gagner pour nous présenter après-midi dans journal ça, nous va développer journal ça non petit pour 7 ans. Une autre fois encore, gros bonsoir pour nous tous et bienvenue dans développement journal Silla. La police nationale d'Haïti posait la patte sur un individu dans le département Nord-Est, qui c'est Jean-Pierre Anthony, lui-même, qui pour lui-même la police, ça fait un bon bout de temps que l'étape chercher individu ça pour que lui-même soit capable et bien mettre le yon côté et individu après toute dernière intervention que la police lui fait pour que lui-même soit capable mettre le yon côté et non moment n'a pas les lâches amis internautes lui trouver le non moment difficile parce que la police lui mettait le non moment pour que lui-même soit capable réfléchir et même individu ça qui baille porter non comme son nom et Palaki et c'est deuxième chef gang qui trouvait le non yon en droit dans les dents. On est dans Nord-Est là qui est dans la localité Mon Ogé et Mon Ogé c'est là que lui-même l'arrivé à pauser et kidnapper non seulement kidnapper et même river tout le monde en dedans localité Silla. Toujours arrestation, la police a arrêté un citoyen en dedans aéroport international au Cap-là et si toujours ces citoyens ça qui wap gade sous écran que la police lui-même l'arrivé arrêté et après arrestation en pile mon rivé sorti a manifesté comme quoi que lui-même li pa ko bien gagné Vladimir Joseph li pa kon anyen nan arrêt li pa kon anyen nan sa ki est arrivé reproché là et que la police ta fait connait c'est à youn nan moun c'est un présumé bandit que lui-même lié qui participer dans divers actes malhonnêtes qui gagné et après la police fin arrêté dans aéroport international là au Cap-là et bien la police là qui capable mener enquête pour connaître est-ce que c'est à lui-même vrai qui t'a requitté qui gagne un petit surnom Dédé et la police lui-même d'après toute dernière information qui t'est arrivé joindre nous dans salle de rédaction nous et bien mon que la police t'a arrêté là c'est pas lui-même qui t'a Dédé et vrai mon qui t'a Dédé c'est à lui-même j'ai regardé sur écran c'est tout ça qui trouvé dans base ça vient comme troisième chef gang en dedans base ça vient dans département la Tibonite et bien ça t'a montré que la police lui-même il t'a fait un faux arrestation ou du moins ça il t'a fait un mauvais coup de guidon et bien avec arrestation citoyen qui lui-même il arrêté dans aéroport international tout un au Cap-là qui t'a parlé directement en dedans pays États-Unis. De l'autre côté, madame, mesdemoiselles et messieurs, situation li paraît extrêmement compliquée. Eh bien, deux citoyens sa yo wap gade sous écran, eh bien, c'est deux citoyens côté qui rivaient joindre l'amo yo. Eh bien, deux citoyens yo et c'est deux grands avocats qui t'a rivé aller pour que capable aller dresser un dossier en dedans Saint-Marc et lorsque rivé nan endroit à côté est arrivé et bien gagné deux bandits mais plusieurs bandits en dedans li en coup t'arrivé poser la patte sur yo pour que ou pas arrivé faire dossier ya, et ou même rivé prend yo non seulement yo kidnappé deux citoyens yo et ou même arrivé touyer yo côté que même moun qui trouvé yo dans localité a pas arrivé joindre yo même pour t'arrivé faire funérailles yo de ya n'a rappelé aussi Jean Edi Rousseau c'est avocat Jean Edi Rousseau et Richard Poléus et d'après toute dernière information
gagné maître lui, gagné maître Junior lui en tant que bâtonnier de l'ordre des avocats de la cité Misaïsagea, et c'est lui-même qui t'a arrivé fait nous connaître que et bien victime lui-même c'est pendant que lui-même il pral plaider un dossier dans tribunal en première instance c'est Macla qui fait que gang lui-même il est arrivé poser la patte sur lui il fait le fevrel pour pays sans chapeau et bien des citoyens yo de avocats yo et éléments information qui t'a arrivé joindre nous fait nous connaître et c'est pas première fois que lui-même il t'a recevoir attaque non mais plusieurs bandi qui trouvait dans dedans Lyoncou dans département Latibonite. Voilà amis internautes, dans moment n'a parlé là, situation toujours été compliquée. Nèg Axam qui t'a décidé attaquer par les nationales pour capable entrer là-dedans pour prêter ses mon au soit taboulé et bien nèg vivent ensemble ça yo. Yo mettait tête ensemble pour que capable attaquer par les a et la police nationale d'Haïti yo cementé 7 fois 77 fois pas gain rien qu'a fait yo quitter bien pour que gang arrive attaquer Paléa mais jusqu'à ce que ta même rive prend l'an et dans même dossier et bien de ça madame mademoiselle dit monsieur nous va inviter pour que au même ou capable ouais comment que citoyen qui est Vladimir Joseph alias Dedé l'étap couri derrière toute accusation que la police lui-même l'étap fait comme quoi que l'étap youn nan moun qui c'est tout qui c'est ta troisième chef gang qui trouvé là en dedans ça nan bal ça vient dans département Latibonite entendez monsieur quand qui côté arrêté côté soir côté Jérusalem oui. Ok, maintenant c'est gardé pour te parler. Sous Waf et Jérusalem. Oui, pendant que je dis en bas, je suis en pour m'acheter. Expliquez-moi qui est exactement sous Waf, la côte de dans quelle zone. Sous Waf. Sous Waf. Oui, sous Waf, j'ai qui est madame Mouelle? Qui est venue. Après ça, mon petit dame, c'est sous Waf, la qui est en Kara, en Faika. Combien de petits vous avez? 7. Alors, vous pouvez comme mon qui est client dans la gang Latibonite. J'ai dit mes clients dans la gang Latibonite, des alias. C'est qui la relation avec Lyoncou, avec sa vie? Je n'ai pas de relation avec Lyoncou. Bon, je ne connais pas ça. Je ne connais pas Latibonite, je ne connais pas quelqu'un là dedans. Malgonaïf, c'est pendant un carnaval et matin de Malgonaïf. Je ne connais pas quelqu'un qui est dans la zone ça. Là, on aucun côté non. Nous maintenant non, nous va pas non. On aucun côté non. On va la carreau. Ça vient. Il y a monde peut-être qui a demandé tout parce que monde la carreau zone ça. Bon, moi nous te dois aller cunya là. À la totalité à la photo. Mais moi moi le Joseph l'a dit. Est-ce que il y a monde content pour qui dans base ça vient pas connait. Qui même dans base. Mais c'est qui activité au même là. Là la carreau. Fait et fait oui marché fait dans balance marché fait devant GS marché fait tout côté nèg tout balancer tout nèg cap acheter fait dans capital là reconnaître moins majorité maladie tout mais tout boss nèg professionnel qu'on fait machine bloc moulin machine boulangerie c'est monde ça on vend faire mon moteur électrique moteur bail m'acheter c'est vieux bail mon acheter 50 goud son tonton mien qui bail ça moi pour tel moment, il va déjà marcher, pas même pas l'importance. Mais là, on a dit que c'est chimé. Ouais, la police a visé déjà, on a dit, on fait prison déjà. Oui, j'aime de barrer ça. Vous faites prison. Alors, vous reconnaissez tout le monde comme citoyen honnête? Honnête. Oh, j'aime de barrer prison. Oh, j'aime de barrer ça. Ok. Voilà, j'en soutenais à, eh bien, Vladimir Joseph lui-même. Li déclaré tête en tant que citoyen honnête et bien vraiment dédé que la police a cherché à c'est pas les mêmes que la jeune c'est un grand erreur que la police nationale d'Haïti l'est arrivé faire madame mademoiselle dit monsieur hier 4 avril 2024 actualité toujours dans le pays d'Haïti gagne conseil présidentiel en transition
qui trouvait dans une situation qui extrêmement difficile et dans un impasse qui trouvait dépassé jusqu'à présent. Le conseil ça n'est pas capable d'arriver installer dans le pays d'Haïti. Et bien essayons un impasse qui montre jusqu'à présent pas aucun signe qui montre qu'il y a une possibilité pour que yo même yo acteur yo capable joindre yo entente entre eux même et surtout yo entente politique et que acteur qui capable joindre yo monde qui pour capable diriger palais national. Et d'après toute dernière information, le conseil là t'a supposé installer d'ici week-end là et pour capable griver joindre président pour capable installer dans palais national décroquer pour population capable sortir dans un moment difficile qu'elle même dit et capable joindre un monde non seulement installer pour capable organiser élection dans mois qui gagnent pour venir. En tout cas, situation toujours paraît extrêmement difficile. Gen Maître Caleb Jean-Baptiste, lui-même beaucoup de parle dans bloc des avocats engagés qui étaient sortis et manifestés qui dit non avec conseil 7 états et oui ensemble avec un cours de cassation et c'est un cours de cassation pour que le président lui-même lui sorti d'après la loi et d'après livre constitution à Andéa et ça qui est même limandé pour que yon président en cas de poste vacant et maladie ou du moins en cas de mort faut que le président capable sorti directement dans cours de cassation. Voilà, madame, mesdemoiselles et messieurs, gagné nous avons coup de pied dans le pays États-Unis, gagné un gros tremblement de terre qui passait dans le pays États-Unis avec une magnitude de 4.8, il frappait divers côtés, divers états dans le bloc nord-est là, tant que gagné New Jersey, gagné New York ensemble avec Maryland et trois états ça yo, yo frappé sérieusement et gagné magistrat américain, magistrat New York là qui c'est Eric Adams, lui-même qui fait comprendre pas gagné grand dégâts qui fait en dedans dans tremblement de terre ça et même pas gagné monde qui t'a même rivé blessé et même pour ta gagné monde qui t'a rivé mourir et gagné dans état New Jersey et bien gagné plusieurs citoyens qui t'a rivé fait quoi c'était pour la première fois gagné un gros tremblement de terre comme ça qui passait dans pays États-Unis mais ça pas empêché que pas gagné un grand monde qui rivé mourir dans tremblement de terre avec une magnitude 4.8 qui passait dans le pays Joe Biden. Gagné premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui-même qui révoquait des membres qui tout à fait vraiment important dans l'armée israélienne et c'est dans le même moment ça il était trouvé là dans une bad bouche ensemble avec toute administration Joe Biden non et c'est après pendant que ça mis internautes les mêmes après la mort sept membres sept travailleurs dans une organisation charité et travailleurs ça yo était en pile importance dans yeux tout le monde qui te gagné et Joe Biden lui-même lui mandé pour que Israël ni pour que Israélien ou même capable faire tout ça qui dépend de yo pour que capable et bien font camper sous question guerre ça ensemble avec Israël ou Hamas là yo façon ou Gaza lui-même li capable obligé râler un souffle dans ça qui gagne ouais avec quantité monde qui a pourri dans guerre ça il mandé tout pour que tout le monde qui était tout pays qui connait habitué à vendre Israël et à Israël zam et pour camper sous de ces ça et gagner divers pays gagner divers pays et diverses nations qui vivaient voter pour que au pas fond Israël zam pour que lui-même il pas continuer bombarder Gaza. Voilà, amis internautes, nous sommes contents pour que nous puissions présenter la dernière édition journal créole pour ce moment. Pas oublier que c'était Zamon Dieu Chéristal qui t'a présenté au journal ainsi là en collaboration avec un confrère nous VOA Créole. N'a bon rendez-vous pour lundi pour premier numéro nous pour ce moment. Pendant le week-end, nous avons dit ce qu'on ne peut pas conduire et ce qu'on conduit pas bon. Il y a une façon pour que nous-mêmes nous capables de lundi pour une nouvelle édition. Ciao et à lundi. Un tremblement de terre 4.8 frappe plusieurs états sous côte nord des États-Unis, tant que New York, New Jersey et l'État Maryland. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu évoqué deux membres de l'armée PIA dans le moment où il embouche l'ouvri avec l'administration Biden après la mort de 7 travailleurs et une organisation charité. Et bien, en Haïti, le conseil présidentiel là toujours dans une impasse dans le moment pour qu'il n'y ait aucun signe qui montre acteurs ont besoin d'une entente politique pour être capable de prêter serment et puis installer. Une autre fois encore, nous saluons tout le monde et nous disons déjà nous disons bon week-end et merci parce que vous avez passé toute semaine là avec nous et on continue à faire ça encore. Nouvelle lutte dominée surtout avec Thomas de Tessa qui frappait côte nord-est
États-Unis, Bonnet, Jodia, Val-de-Saint-Louis, depuis ville New York. Jeudi à vendredi 5 avril 2024 à 10h23 matin, la terre a tremblé et c'était un tremblement de terre qui était souqué zone métropolitaine ville New York là qui gagne en pile monde qui vivent là-dedans dans région ça côté que mounyo pas habitué senti terre déplacée. Selon sa service géologique américain ont rapporté tremblement de terre te gagne une magnitude préliminaire de 4.8 et épicentre situé tout près une municipalité qui relait Lebanon qui situé dans district Huntington dans état New Jersey ici aux États-Unis à peu près 45 000 dans l'ouest ville New York là et 50 000 dans North Philadelphie. Et d'après service géologique américain, le tremblement de terre est capable de ressentir par plus passer 42 millions de monde. Pas aucun gros dommage qui était rapporté, même si le gouverneur New York, Kathy Hochul, a averti la population sous possibilité pour avoir l'autre secousse qui a retourné dans une conférence pour la presse que le bail. So I immediately directed my emergency management team the second we received word of this to start doing damage assessments. Moi immédiatement dirigé équipe gestion urgence moyen à la minute que nous te recevons information. Tout de suite, nous commençons à faire évaluation pour nous voir si pas gain aucun dommage et si la vie monde pas en danger. Moi immédiatement te parler tout à gouverneur Phil Murphy pour offrir assistance et puis chercher connaître ça qui a passé dans l'état New Jersey. Ça c'est un des plus gros tremblements de terre qui passé sous côte l'est là depuis dernier siècle là. Bon côté parle dans une déclaration magistrat ville New York là Eric Adams t'a dit que pas gain aucun monde qui blessé que yo t'ai rapporté mais il t'a encouragé résident ville New York yo pour yo t'ai abrité yo en bas meuble dans mitan yon porte au soir et à côté yon muraille en dedans car si yo t'a senti n'importe réplique qui t'avait dit secousse tremblement de terre qui t'a retourné. Président Joe Biden lui-même tout est parlé avec gouverneur état New Jersey Phil Murphy sous tremblement de terre et puis administration pour aller bailler assistance si ça nécessaire selon sa Maison Blanche t'a fait qu'on est dans une déclaration. Concernant tremblement de terre, moi t'ai parlé à gouverneur New Jersey Phil Murphy, il pensait toute bagaille sous contrôle. Il pas trop gain qu'est sauté sous ça. Gouverneur New Jersey, qui donc toute bagaille en forme. Administration fédérale aviation FAA t'a dit que compagnie avion t'a dû espérer que vol t'a gagné retard de 30 à 45 minutes dans l'aéroport ville New York jusqu'à midi à cause tremblement de terre ça. Gain quelques vols qui étaient en direction ville New York qui ont été obligés de détourner, yo t'a atterri dans l'autre aéroport d'après site internet FlightAware. Et dans quartier général Nations Unies en tournant New York, tremblement de terre a été interrompu une séance que chef exécutif organisation Save the Children, Jenti Sao Ripto, t'a dirigé en séance urgence en conseil sécurité. Sous menace grand goût dans Gaza. Et moun kap vive dans Baltimore, Philadelphia, New Jersey, Connecticut, rive dans Boston, à l'autre zone dans Nord-Est, là, te rapporté que yo te senti que te a te grondé. Et puis te a te tremblé tout. Y a quelques moun qui te couru sorti dehors pour yo te demander ça qui passé. Eh bien, chef service, nous, Sandra Lemay, lui-même senti tremblement de terre, lui-même tout. Moi-même, moi, j'étais dans une banlieue Washington, dans l'État Maryland, et ça que moi-même, moi, ressenti, dans mon côté, ce coup, ça frappé nous, c'est que moi, j'étais chita, et bon table, moi, et c'est un table qui est assez lourd, et puis moi, senti que la psouke, souke, souke. Et moi-même, moi, j'étais comprendre que peut-être si on gros vent, ou bien on va être comme ça, parce que l'erreur pour, et, ou bagaille ta, déplacer table ça parce que il est vraiment vraiment lourd. Donc l'homme gardé moi ouais que et sous téléphone moi tu as un message que Fred dit que il y a un tremblement de terre qui frappait et puis après ça moi vienne ouais que Valerio tout mettait un message pour dire que lui ressenti secousse là et dans New York. Frédéric Kaimit résident dans New Jersey lui-même tout est senti terre a tremblé. Moi j'ai senti secousse tremblement de terre là. Et pendant que j'ai tapé le travail, puis moi même avec Frère qui nous voyait Kyle secoué. Et puis, les nous proches de Yoa, nous voyons tous voisins de Yoa, camper de Yoa, poser la question est-ce que c'est un tremblement de terre. Et d'après l'autorité locale, yo, et t'as semblé secousse là, c'est un secousse qui passait. Et bon côté, nous avons un à 4.3 magnitude. Qui donc jeudi à vendredi 5 avril 2024, on date historique à entrer dans l'annale, l'histoire, ville New York, dans un fait tremblement de terre. Merci, merci Valérie Saint-Louis. Valérie Saint-Louis passe pour amener tout le monde net, même le monde dans le service de la famille qui pourrait être dans une zone où le tremblement de terre a frappé. Eh bien, on a une chance de opinion pour te dire que mon senti avec l'événement si là. Dans l'autre nouvelle, le président Joe Biden visite Port Baltimore.
quelques plus passé une semaine depuis un bateau cargo qui t'a sorti dans Baltimore pour aller et dans Sri Lanka et un bateau ça a frappé un pylône qui lagué dans fleuve là un pont semblable à la mer. Président Joe Biden après à propre j'ai parlé, j'ai fort cap fait dans ville Baltimore pour retirer morceau pont Francis Scott Key qui était effondré dans fleuve là pour bateau capable passer. Gain gris bateau à Daiva cap travaille pour relouvrir une principale voie maritime pays États-Unis. Président Biden a rencontré famille six moun qui t'est pas dit la vie au le pont est écrasé vendredi qui s'est passé à nettoyage avec reconstruction pont poté avec quelques gros conséquences économiques et politiques tout malgré gouvernement fédéral là passer à l'action sans perdre de temps pour débloquer fonds pour tamer reconstruction hein. Maison Blanche là mandé Congrès pour approuver un seul coup tout l'argent y a besoin sans n'est pas obligé mander l'argent d'urgence séparément. Mais caucus Liberté Chambre députée à Freedom Caucus répond pour dire financement comme ça pour venir avec conditions. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Non, pour aller dans Mayenoyan, côté Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, révoqué deux membres de l'armée PIA, dans ce qui semble responsabilité de l'attaque qui fait sur un convoi, une agence humanitaire qui est basée ici, dans Washington. Alors, décision, ça apprend tout. Après, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a eu une conversation avec le président Joe Biden qui a fait connaître la nécessité pour protéger le travail humanitaire qui travaille dans le territoire Gaza. Et c'est une rencontre que l'observateur fait connaître que le président Biden était clair dans la décision. Là, et il a même dit exactement ça qu'il pensait et qui, l'administration, a dit ça qui passait exactement. Il a même demandé pour une enquête et pour enquête à lui vraiment clair et pour dire sans passe pour dire exactement ça qui t'est passé et c'est même pas ça tout que et secrétaire d'État américain et Anthony Blinken qui t'a participé dans un rencontre dans ville Paris non sommet même en Belgique que et nous autant t'a fait et ben il t'a demandé pour nécessité pour une enquête sur question ce qu'il a nous parler dans l'autre point cap domine actualité à n'a venir ici aux États-Unis côté président Joe Biden et Donald Trump ont remporté élection primaire qui se déroule dans l'état Wisconsin un état qui capable faire une grande différence dans élection qui gagne pour dérouler en novembre 2024 et n'a dit que deux candidats tout entre-temps d'après ça Jacques Bélizet dit nous et bien deux candidats ça il a cherché courtiser mais il a cherché vote noir américain yo Jacques Bélizet. Électeur dans Wisconsin t'a voté en faveur Donald Trump en 2016 mais 4 ans après il t'a voté Joe Biden. Dans deux cas yo course là t'est très serré. Qui donc Wisconsin qui a voté dans un sens ou bien dans un autre dans élection ça avec un électorat qui pat pour pat divisé d'après pif au sondage. Orlando Owens, c'est premier président noir parti républicain dans zone Milwaukee, lui posait en pile question. Kounye la qui est capable assurer l'idée pour éducation timounyo? Kounye la qui est capable soutenir entreprise noir yo? Kounye la qui est capable soutenir l'idée pour gagner yon frontière qui gagne sécurité? Qui est capable soutenir droit pour un citoyen posséder zame à feu pour défendre tête li? Donc tous les deux partis ont cherché à râler de rassou yo dans l'élection ça. Ça gagne 4 ans, Biden t'a remporté Wisconsin avec moins passé 21 000 voix. Il t'a remporté Milwaukee avec plus passé 141 000 voix. Une analyse dans l'université Marquette indiquait 53% bulletin vote Biden yo t'est sorti dans quartier côté gagne plus moun noir. Donald Trump dit partisan lio, pas quatre procès pour crime contre lio aidé en pile dans mi-temps électeur noir yo. And a lot of people said that that's why the black. En pile moun di, c'est peut-être ça noir yo remèl kon ça parce que yo même tout yo té blessé et victime discrimination. Yon bagay extraordinaire. Joe Biden pa ka osé perdre vote noir yo dans Wisconsin et campagne kon ça d'après sa professeur sciences politiques politologue Cathy Owendy. Most individuals who follow the elections would say that without. La plupart moun k'ap suiv élection sa yo ka di sans Milwaukee, Biden a perdu sans problème Wisconsin. Moi pense campagne Biden dans comme ça, c'est peut-être ça ou pral wè en pire investissement dans publicité, dans message, dans paquet de visite. Joe Biden était dans Wisconsin mois qui s'est passé là pour te annoncer un nouveau financement pour aider réparer ça le relé quelque temps historique. Pendant plusieurs générations, communauté noire, brune et amérindien
Américains d'origine asiatique et hawaïenne, pas vraiment en dans démocratie ni en dans économie. Pour Milwaukee, ça veut dire Biden a pensé à nouveau trottoir pour bicyclette, nouveau route pour bus et infrastructure moderne. Et président démocrate l'a dit, ça pral changer la vie. Quoi faire Wisconsin ça pour qu'on connaît pour qui est-ce libre de voter? I am undecided. Moi jusqu'à présent indécis. Lidwall, moi t'ai voté pour Biden contre Trump dans dernière élection yo. Mais qu'on y a moins plus penché en faveur Trump parce que ça me t'ai quoi qui t'a pral meilleur yo vinn pi mal. Donc moi pour qu'on connaît dans quelle direction m'a voté tête. Yeah, I'm definitely don't know which way to sway at this point. Et cette attitude ça dans mitan électeurs qui traditionnellement démocrate yo rend course la très serré dans Wisconsin. Rendez-vous, c'est pour 5 novembre 2024 pour élection présidentielle ça yo. Jacques Belizère, VOA Créole. Merci Jacques Belizère et n'a profité annonce samedi 6 avril là, donc demain, la Voix d'Amérique à présent dans la nuit des jeunes dans New York. Redbranché. VOA Creole, une autre fois encore, Anessa a répondu présent dans un gros événement culturel, musical ça, qui fête chaque année dans New York. La nuit des jeunes. Samedi 6 avril, équipe VOA Creole a sous place dans Amazura, dans New York. Live, en direct. N'a parlé avec public, là, fanatique, yo, monde qui vient amuser. N'a backstage, à Katisio. Pour nous poter baou, reportage, à image, événement ça, dans New York. Samedi 6 avril, à partir de 9h30 du soir, la nuit des jeunes. Branché, VOA Creole. Un rappel, pas rater rendez-vous demain soir, n'a pas direct. Donc, branchez sur nous, sur toute la famille, particulièrement sur Facebook, pour nous connaître exactement qui en bas la passé. Nous parlons de nouvelles, nous parlons dans le pays d'Haïti. Mais le conseil présidentiel n'a pas pas sous place, dans un moment, décret pour nommer même institution ça, ou bien même conseil là, pour qu'on publie dans le journal officiel le moniteur Yves Manuel. Conseil ministériel adopté dans mi-temps semaine projet décret qui gain pour ak fonctionnement conseil présidentiel là. Cependant, non personnalité qui fait partie de institution ça poko publié dans journal officiel le moniteur. Pendant temps ça, parti qui engagé dans négociation qui visait mise en place conseil présidentiel là a travaillé pour harmoniser projet décret ak accord politique là. Décret qui gain pour ak création conseil présidentiel ak accord politique là a fait objet de yon sel décret pour publier dans moniteur selon yon membre conseil présidentiel là qui t'ai parlé à VOA Creole. Conseiller qui pas de venol cité souligné hier jeudi an te gagné yon rencontre entre conseiller présidentiel yo ak acteur politique yo sous question. Si tout bagay allait bien, deux documents sa yo ta doit finaliser jeudi vendredi an et puis retourner à jeune CARICOM pour suite nécessaire. C'est ça Souslan ajouté pour le dit. Mopod qui dans collectif 30 janvier qui désignait Edgar Leblanc fils dans conseil présidentiel là dénoncé dilatoire bon côté conseil ministériel cap utiliser tout artifice pour faire temps passer et lancer en même temps un pinga by conseiller présidentiel yo qui selon patien doit aller vite et bien selon même conseil présidentiel yo décret sous création conseil là sans compter accord politique là doit publier dans journal officiel le moniteur pendant weekend ça pour conseiller présidentiel yo capable installer dans palais national avant longtemps. N'a souligné gang armé yo fait plusieurs tentatives pour prendre assaut palais national pendant toute semaine là. Est-ce que il y a une disposition qui pral prendre pour recevoir même conseil présidentiel yo dans plus gros symbole politique paysan? Yo dossier n'a suivre. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Toujours sous même nouvelle ça, ancien premier ministre haïtien Evans Paul plaide en faveur d'une rencontre et haut niveau avec pouvoir judiciaire, avec membre conseil désigné avec l'autre acteur important du gouvernement démissionnaire pour faire aussi une rejoindre une solution dans la crise politique là. Ancien premier ministre Evans Paul te prend question correspondant nous ou dans tout ça. Question qui gain rapport avec démarche mise en place un conseil présidentiel dans tête pays d'Haïti. Pour bien faire choix un juge au niveau Cour cassation pour assurer présidence provisoire paysan continuer susciter débat bon côté certains leaders politiques haïtiens parmi eux ancien premier ministre Evans Paul qui dit qu'il a préféré Cour cassation. La préoccupation parmi eux c'est prendre route qui paraît plus courte qui paraît plus facile là chemin Cour de cassation il y a deux avantages. Premièrement nous expérimentons déjà. Deuxièmement, il y a possibilité
pour choisir un monde. Troisièmement, une question fondamentale. Monde qui a sauté là-dedans, pas jugé parti. Parce que dans le conseil présidentiel, il y a des hommes politiques. Des hommes politiques qui ont parti, elle dit, yo, non, président, ça, pas grand rien qui dit, on va le privilégier parti. Parti, on va le faire ça, c'est pas une accusation. Mais il y a une suspicion légitime. Or, on connaît que juge Cour de cassation, les réputés non partisans. Ancien Premier ministre Evans Paul estimait conseil présidentiel transition, sans pas de problème, à aucun membre là-dedans, capable de provoquer quelques problèmes. Lors d'une situation où il y a 7 monde qui vont décider, 7 à 9 monde qui vont décider, eh bien, elle a excessivement lourd. Et si on apprend sur le plan très symbolique, dans le palais national, on fout très présidentiel. Il n'y a ni canapé, ni banc. Alors, même sur le plan logistique, il y a un gros problème pour accommoder 7 à 9 monde et pour faire un cortège. Parce que si c'est président, il faut traiter en tant que tel. Alors, moi-même, moi, garder aspect efficacité. Mon deuxième problème, c'est problème mécanisme, provision pour faire. Qui peut nommer ce conseil présidentiel? On va pas demander petite pour le faire papa. On va y aller hiérarchie des normes dans l'État. On va pas demander des ministres pour nommer président. C'est le monde à l'envers. C'est ça que fait depuis l'autre jour, on va pas y fait. Arrêtez à pas qu'à publier parce que la anormale, bon, m'a même dit illégal. Illogique. Et nous sommes l'État, même si nous faibles, même si nous avons des problèmes, nous avons des procédures, nous sommes obligés de respecter. Mais au-delà des procédures, moi-même, ça plus préoccupé maintenant, c'est efficacité. Ancien Premier ministre Evans Paul partageait l'idée tout pour que le pouvoir judiciaire tâchait à parler avec l'autre acteur sociopolitique haïtien sous base d'une entente plus inclusive pour être capable de résoudre. Crise politique haïtienne. Où est-ce que c'est? Pour VO à Criol. Pas de place. Correspondant nous, Mazado, vous mettez pour mener un micro dans la capitale là, côté de rencontre avec Citan, qui a même été ma opinion sur ça, au pensé de conseil présidentiel. Ça, qui est-ce que vous avez dit qui doit diriger? Quelques militants politiques qui étaient d'accord pour parler dans le micro avec des caméras, nous avons des choix différents. Sous le monde, nous avons vu le président du conseil de transition. Militants et l'avalation, militants des bases, organisation des bases, demandé et Nessil Voté alias chinois, nous avons besoin qui pour diriger le conseil présidentiel, qui pour entrer dans le palais national. Et c'est le monde ça, qui peut retirer et gros âmes dans le quartier populaire. Moi-même, je crois, avec Gadi Leblanc, river dans tête commission dans d'abord national même clair je dis a et gardi a fait sale de faire parce qu'il a une très bonne équipe et il va travailler et gardi pas monde qui va aller vers des ministres premier ministre non même clair et monde du clair what miss cap casse pays yo que Dieu m'entende et gardi président connu là on veut tout le président matière tout non clair gardi libre c'est une langue d'après moi qui était président conseil là mais si on bat tout Gilles tout pas de problème parce que nous mêmes depuis ouais ça lié là ça c'est final allié depuis mon intérêt peuple là d'abord nous mêmes nous d'accord nous font choix nous fait c'est ancien sénateur c'est docteur Gilles Gilles raison parce qu'il était toujours campé beaucoup de peuple en moment peuple là moment difficile ça peuple là nous choisir un monde qui l'en can nous ça n'est pas fait aucune personnalité un dirigeant organisation sous bord pas quoi faut monde qui a prend tête pays a des capacités pour affronter groupe civil armé nous clair si tu as un responsable qui t'a pour en charger pays là alors moi connais moi c'est ça que ça dans deuxième faut me dire faut que l'état en criminel notoire qui a décidé pour peuple haïtien et qui ca répond avec Lucifer ça qui cap terroriser population parce que souffrance nous l'empile face à crise multidimensionnelle pays a connait là citoyen ça yo plaider en faveur poursuite mise en place conseil présidentiel transition même en tant que militant cap bataille au niveau tout pays nous mandé pressé faut yo fait installation et pour nous ca sortir avec un bon gouvernement pour sorti pays dans crise qu'il est là et pressé c'est lui même n'abdi si messieurs dames ministres yo veulent faire conseil des ministres pour arrêter sorti pour Joseph Pierre Lucien pour la guerre dans le ministère pour dire mais qui est ce qui vient président de conseil là m'a dit faut faire ça pressé parce que ça qu'a fait là pas que aucun monde dans pays là qui à l'aise parce que faut que nous jouions avec une solution
parce que ça c'est son piste qui n'a pas ça. Et si ça rien dans l'arrivée là, faut qu'il accouche. Et n'a demandé la police ça prend toute disposition pour régler et périmètre chaîne massa pour cette même ça au présidentiel là qui a installé dans palais national. Nous devons dire pendant toute journée jeudi 4 avril là, coup de balle participants chanter dans périmètre palais national à zone qui a avoisiné Lyo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Vulmé pour Viroir Créole. N'a pas quitté Port-au-Prince, nous parlons dans ville Cap-Haïtien côté la police dans ville là, ben arrêté un passager que accusé comme un gang dans moment il t'a parlé dans Miami, Gérard Maxino. Sénat aéroport international au Caplan que la police arrêté jeudi 4 avril 2024 là, Gladimir Joseph qui selon institution policière Tava yon présumé criminel qui t'a fait partie des bases avien. Inspecteur divisionnaire Aol Jean qui se porte-parole la police dans nos pays fait connait Gladimir Joseph t'a essayé quitter pays dans cadre programme Biden. La police a arrêté dans l'aéroport international Cap-Haïtien individu qui relait Joseph Gladimir qui gagne 38 ans. Donc selon l'information que nous gagnons, monsieur c'est Tava yon nan chef de gang qui a fonctionné dans zone Savien. Donc la police dans ville Cap-Haïtien était en contact avec DCPJ sur dossier monsieur A et tout comme nous en contact avec DCPJ pour plusieurs autres cas de criminels qui ont intention de passer dans l'aéroport Cap-Haïtien pour aller dans l'autre pays. Cependant, Gladimir Joseph déclaré la police fait erreur. Li pa yon gang. Li me fi yon gang la ti moun ni de alias. Se ki relasyon avèk zon li ankou, avèk sa vye? Ba ki yon relasyon avèk li ankou, bon ba lèm kon zon sa yo. Ba kon la ti moun ni tan, ba kon nan kem gouti la den nou. Mal kon naiv, se bon an diye kanaval e mati di mal kon naiv. Ba kon naiv, ba kon nan kem gouti nan zon sa yo. Ba kon nan kem gouti nou. Commissaire gouvernement au Caplan, Charles-Édouard Durand, terrain ni par la suite dans commissariat police Cap-Haïtien côté l'ité visité prévenu. Commissaire a fait connaître, yo pral mener bon jan enquête sous dossier ça. Donc pral mener enquête approfondie puis découvrir si ça veut dire sur la sécurité. C'est vrai tout là parce que même pas jouer avec sécurité dans juridiction. Donc quoi qu'il en soit, justice qui fait travail normalement. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la FAD d'Amérique. Nouvelle sauvée de Thieu avec Serge Rodriguez et Jude Doncé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Créole. Nous allons parler de Alain Delon, le monstre sacré du cinéma français, qui, malade journée aujourd'hui, malgré le poco mourir, il y a un chirépite qui éclatait en trois petites lions. Et puis après ça, nous allons parler de Etienne Maïla avec Jude Doncé. Le français Alain Delon, que le public haïtien connaît bien, et spécialement la génération qui a grandi dans l'époque années 60 à années 70, et bien, il est malade grave. Mais il y a des gens qui pensaient que mon sacré industrie cinéma la France là, qui a l'âge 88 ans jour aujourd'hui, a subi une humiliation de ce qui a placé lui sous surveillance renforcée. Alain Delon a fait un accident vasculaire cérébral là, que nous aurait les stroke en anglais dans l'année 2019. Il a souffri qu'on y a un cancer lymphatique et bien il a été placé lui sous un régime sauvegarde judiciaire depuis mois janvier passé. Qui donc mesure surveillance renforcée, c'est une démarche qui est trop lourde. Sa malade a besoin vraiment vrai, c'est bon genre encadrement dans la vie tous les jours. Et puis pour le capable de dépenser l'argent, de posséder, Jean Le Pipito, d'après sa avocat, Maître Berton, dit sous question. Avocat a continué pour le dire, il pense que mesure ci-là a dépassé les bonnes parce que lui humilié mon sacré cinéma français. Du fait que le poco perdit tête lui, comme Jean-Robert Philippe t'a dit, il est toujours qu'un bon sens. Li. Nous devons préciser que depuis le mois de janvier qui s'est passé, il y a un chirépite entre Petit Lio, à savoir Petit Garçon Anthony, 59 ans, Alain Fabien, 29 ans, et Petite Fille Anouchka, qui a 33 ans lui-même. Nous avons dit que le film qui était révélé actuellement par le monde entier, c'était le film Plein Soleil, là, qui était paraît en 1960, mais avec Woko et ses frères, qui était paraît en 1962. Parmi le film Mon Sacré Cinéma Français a été joué, nous allons jouer droit sur Le Guépard, qui portait empreinte réalisateur italien Luchino Visconti en 1963, avec La Piscine, qui portait Marc Fabrique cinéaste Jacques Deré, un film qui était sorti en 1969. Et bien, le moment arrivé pour nous passer comme dans le Jules de Ronceret pour nouvelles dans Etienne Maïla, dans Miami.
C'est jeudi que ça te passe là, dans le cadre soirée Happy Thursday, dans Blue Martini Nightclub de Fort Lauderdale, l'État Floride, que Roberto Martino recevait un Lifetime Achievement Awards pour contribution T-Vice à l'évolution musique haïtienne. Ses compagnies de production RNA Promo qui te baille l'honneur espère. Après tout ça, je viens de faire un business, c'est bon des fois pour qu'il y ait des gens qui reconnaissent la valeur ça nous fait. Merci un peu, ça arrive droit au cœur. Et vraiment, ça fait plaisir, ça me courage à force. Pour continuer le travail, continuer de faire cause. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Rara Lacaille de Miami, célébré semaine passée 21 l'année existence li. Wisner Charles, alias T-West, qui est fondateur dirigeant Rara Lacaille, a expliqué. Ça veut dire pour lui 21 l'année à Rara Lacaille. Et 21 ans Rara Lacaille, il n'y a pas de bagaille pour moi. Raison, jusqu'à maintenant, nous là, sous sol, là, toujours dans la communauté haïtienne, nous toujours à travailler. Malgré nous pas jouer une support communauté, la plupart de la communauté haïtienne qui pourrait aider nous, travail 21 ans. Mais ça n'a pas fait nous décourager, nous toujours à Québec. Pour nous, est-ce que nous avons fait plus temps toujours dans la communauté. Merci infiniment, Jude de Ronceret, pour toute bonne information sérieuse. Pour nouvelles souvenirs, moi c'est Sergio Rodriguez. Groupe Croissance a marqué 30e anniversaire dans Miami avec un sommet économique ou un sommet des finances internationales. Eh bien, collaborateur Jacques Bizette a parlé avec ingénieur Jean-Marie Altema, qui est directeur exécutif groupe financier Profit. Le sommet a fait le cadre 30e anniversaire groupe Croissance, qui est une organisation qui travaille en Haïti, surtout dans le domaine finance avec économie. Donc on a Christian Farel qui a dirigé un groupe Croissance et qui a des émissions dans des radios et qui fait un pile intervention tout sous question budget en Haïti. Donc son sommet qui est toujours fait en Haïti, mais pour 30 ans groupe Croissance et ensemble avec Profit Development Consulting, nous avons décidé d'accompagner s'ouvrir groupe Croissance et pour que nous gagnions ce sommet à Miami. 6 et 7 avril qui a venu là. Donc, nous associons tout avec de la Offices of Fund Le Julien, qui sont avocats qui sont dans la communauté haïtienne qui est basée à Miami, pour que nous discutions autour du financement de l'économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Donc, sommet a venu dans un contexte très particulier parce que nous connaissons une situation de crise que Haïti a traversée, crise politique, crise économique, etc. Mais il faut aussi penser l'après-crise. Donc, c'est l'objectif, ça, que nous réunissons des acteurs d'Haïti et de la diaspora pour venir discuter autour de stratégies qui permettent que nous mieux préparer et développer un agenda pour financement économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Donc, sommet ça, il réunit, j'en dis, des acteurs d'Haïti, donc, et de monde qui travaille dans des projets en Haïti. Ça veut dire, ce n'est pas un sommet côté que nous allons parler de finances, nous allons parler de seulement qui gens Haïti capable de relever, s'il vous plaît, de crise, mais nous avons présenté, nous avons venu, nous avons un pile intervenant qui a sorti Haïti, malgré la situation, et nous avons remercié tout pour l'effort ça que vous faites. Qui a venu, c'est des monde qui ont des projets qui ont exécuté en Haïti. Et rendez-vous, nous pas oublier, non? C'est samedi, dans New York, équipe Prelab sous place pour nous porter pour encore la nuit des jeunes. Et puis tout, je dis à ce vendredi, soit conduit, pas consommer alcool, et sous consommer alcool, pas conduit. Bon, merci gentil, Augustin, avec tout notre collègue.